Oh Seigneur, 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 Seigneur. Je vous ai toujours dit que quand on veut faire les choses avec le mauvais cœur, ça se retourne toujours contre vous. Faites expérience. Faites quelque chose avec le mauvais cœur. Vous verrez, ça va se retourner contre vous. Narcisse Moulay-Combi, tu es où? Tu n'es pas au premier ministère. Tu étais au premier ministère hier. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Que le match va se jouer où? À Garoua. Les lions sont au premier ministère, non? Ils sont allés faire quoi là-bas? On sait ce qui s'est passé la nuit. La nuit, ils vous ont dit quoi? Nous, on va à la Douala à 10h. On va à la Douala à 10h. On va à la Douala. Les gars, vous voulez aller à la Douala maintenant à 10h? Les lions, eux, sont déjà à l'aéroport. Ils sont déjà à l'aéroport. C'est là que vous allez comprendre. On ne vous veut plus. Et je vous ai dit ça, on ne vous veut plus. Et j'aimerais voir votre tête. Vincent Aboubaka, André Onana, vous êtes où? Vincent Aboubaka, André Onana. Fay Collins, vous êtes où? Vous savez ce qui va se passer maintenant? La Fédération Camerounaise de football a convoqué les U20. Les U20 vont être sous la coupole de qui? De l'équipe de l'encadrement technique de la Fédération Camerounaise de football. Le message derrière, c'est quoi? Le message derrière, c'est quoi? C'est que l'avenir de Marc Brice est scellé. C'est mort. Marc Brice va être viré dans les prochains jours. C'est l'information-là que personne ne voit et que personne ne sait. Moi, je vous donne ça maintenant. Marc Brice va être viré. Bye bye. Bye bye. C'est terminé pour toi. Et vous, les joueurs-là, vous allez rentrer dans vos clubs. Parce que les lettres sont déjà arrivées à vos clubs, on vous a déjà mis à la disposition de vos clubs. Donc, ce que vous partez faire là, à la primature, c'est superfétatoire. C'est superfétatoire. On n'est plus avec vous. On va jouer avec les U20. Marc Brice est viré. Entendez ça comme je vous dis là. Marc Brice est viré. Hey, Marc Brice est viré. Hey, Marc Brice est viré. Hey, Marc Brice, ils sont partis à la réunion. Hein. Marc Brice n'est pas là-bas. Hein. On a convoqué que les joueurs. Hein, pour leur dire que le président de la République a dit que hein, c'est la FECAFOOT qui va gérer cette histoire. Moi, les combis qui vous a amené avec son staff, avec ses Benjamin Didier Banlock, on vous a pris Manu Militari comme si c'était la guerre. C'est mort. Moi, le combi, tu vas être viré dans quelques jours. Dans quelques jours, tu seras viré, monsieur. Ce que le premier ministre t'a dit hier, c'était juste pour te calmer. Tu es mort. Tu es mort. Moi, le combi, viré. Marc Brice, viré. Quand je vous dis souvent mes choses, hein, je vous avais dit que quoi? On va jouer où? À Garoua. N'est-ce pas? Est-ce que je suis avec les gars de l'Africa Foot? Non. Comment moi je fais pour avoir mes informations? Je ne sais pas. Moi-même, ça vient me tomber comme ça. Bang, 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 bang. Marc Brice sera viré. Ce n'est pas Marc Brice qui va faire le match là. Ce n'est pas lui qui va faire le match là. Ce n'est pas lui qui va faire le match là. Les U20 vont être avec les Lions, vont être avec Ntungun Pilé et David Pagou. Ils vont jouer le match là. Je vous rappelle, vous savez comment l'Académie Mimosa est née. Vous savez comment les Yaya Touré sont arrivés, les Gervinho.
président de l'AS Mimosa était fatigué que ses joueurs principaux l'embêtent. Il voyait les joueurs de l'académie tous les jours, tous les jours, tous les jours. Un jour, il a demandé à Maguiou que tu ne peux pas me mettre ces gars-là. Maguiou dit que moi, je n'ai pas de problème, ils sont aguerris. Les gars sont partis jouer une finale où l'espérance de Jésus est que, oh, mais ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce que nous amène comme ça? Qu'est-ce que nous amène comme ça? Terminé 3-0. Les petits là, c'est là que vous allez voir Nathan Douala jouer le ballon. Il y a le petit là qu'on appelle Yonjon là. Petit là. Petit. Pardon. C'est-à-dire que soutenez-moi ces gars. Soutenez-moi ces enfants, population du Garoua. Accueillez-moi les Ugans là comme ça se doit. Comme ça se doit. Les gars là qui jouent à Manchester United là. Besiktas, Papatas, tout ça là. On vous met de côté, on va jouer avec nos Ugans. La majorité des filles U20 là, elles jouent dans l'équipe nationale. Hein. C'est elles qui jouent l'équipe nationale. Hein. Donc nos U20 là, on peut compter sur eux. Hein. La moyenne de l'équipe nationale de France, la moyenne d'âge, c'est 23 ans. 23 ans. 23 ans. Comptez l'âge de tous ces gars-là, vous divisez par le nombre qu'ils sont. Ils vont vous donner la moyenne d'âge. 23 ans. Donc les jeunes là, c'est le moment pour jouer à l'équipe nationale du Cameroun. C'est leur moment. Les Amboangis, on ne vous veut plus. Les Andro, on ne vous veut plus. Vous avez 28 ans, 30 ans, tout ça, on ne vous veut plus. Allez jouer à Manchester. Allez encaisser vos buts. Allez encaisser vos buts. Maintenant, on va les encadrer. On veut le gardien du peuple qui doit venir. Le gardien du peuple. Monsieur Ondoa, le pays vous appelle. Le pays vous appelle. Il faut que vous veniez jouer pour le Cameroun. Parce que la brocante est virée. Oui, oui. Oui, oui. La brocante. Marc Brice est virée. Entendez ça comme vous entendez là. C'est mort pour lui. On a appelé les U20 là. Ce n'est pas lui qui est comptable de ça. Hein. Ils sont entrés dans la Garoua. Ce n'est pas lui. Hein. Les Lions là, on les a appelés sauf Marc Brice. Hein. Ils sont au premier ministère, hein. Je ne sais pas ce qui va se passer là-bas. Hein. Même comme le bus là, le bus qui les accompagnait là est tombé en bas. Un malheur ne vient jamais seul. Vous voyez la vie, vous voyez la vie. La vie va vous enseigner. La vie va vous enseigner. Tous ceux qui vous parlent, qui vous disent que oui, l'État est debout, l'État est comme ça, l'État est debout, on va faire ça deal à la fédération. Ça met le taux, c'est qui, hein? Il dépasse le Cameroun. Samuel Eto'o n'a jamais dit qu'il dépasse le Cameroun. La preuve, qui le met en haut? Ce sont ceux, les gens de l'État. Et il faut savoir quelque chose. Quand on dit que dérogation de pouvoir, délégation de pouvoir, ça veut dire qu'on te délègue, on te donne un pouvoir. C'est-à-dire que je délègue mon pouvoir à quelqu'un, je lui donne mon pouvoir. C'est de ça que jouit la fédération. Quand on dit que l'État, là, l'État, la FECAFOOT, c'est qui? C'est que c'est l'État qui lui a délégué ça. L'État lui a dit que prends. Moi, je ne peux pas m'occuper de ça. Prends. Voilà. Ciao.